Hello, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va faire un ou deux rangs de patates. Donc, on va planter les patates. C'est quoi que papa y fait, là? Mon père, il est en train de faire... Il est en train de travailler mon jardin. Donc là, il est en train de faire les deux rangs de patates. Avec les patates, on va mettre les patates devant les rangs. Et après ça, on peut les enterrer. On va les enterrer jusqu'à temps qu'on les voie pas, mais il faut pas que ça soit une montagne de terre. Donc là, je suis en train d'en mettre. Il faut qu'ils soient assez, pour que la distance soit assez grande, pas genre de même. Que soit à quelle distance, à peu près? La distance à peu près de même. Bon, pas pire. Non, le reste, vous allez voir dans mon vidéo. On va enterrer. On va transplanter les tomates. Donc, je vais vous montrer comment on transplante les tomates. Donc là, on va commencer avec les Moscovitch. Là, on va essayer d'enlever les tomates avec bien sûr les racines. Donc là, c'est ça. Et là, on va essayer de prendre un peu de terre de dedans. Avant, on va mettre le pot par-dessus le truc, comme ça on est sûr que ça tombe pas. Là. Avant de le mettre, je vais mettre de la terre. Si vous avez déjà vu la vidéo de Cachet fait de la maths, vous devrez savoir que ça c'est la suite. Donc ça se peut qu'il y ait des trucs qui sont pareils. Non, c'est pas grave. Vous pourrez l'écouter un autre jour. Bon, il y en a assez. Bon. Donc on reprend la petite tomate. Et on la et on la met avant, on fait un trou. Parce que ça, faut qu'il prenne le pied. Voilà. Et là, ça peut ressembler à ça. On met une étiquette. On a l'étiquette. On passe à une autre tomate moscovitch. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous voulez, vous pourrez toujours dire c'est quoi votre plan de jardin. Donc à la prochaine!